Je n'ai pas grand-chose à dire, mais tout ce que j'aimerais dire ce soir, c'est j'ai perdu un papa. Il n'était pas que mon beau-père, il était plus qu'un beau-père. Parce que ça fait environ pratiquement 15 ans qu'il a toqué notre porte, qui m'a tendu la main et qui m'a accepté, qui m'a adopté. Je peux le dire ainsi. J'étais encore à l'école. Il m'a adopté, ce papa. Et je peux vous dire, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, il m'a toujours considéré comme sa propre fille. Je faisais partie de ces quatre filles, donc j'étais la cinquième. Donc pour moi, c'est tellement difficile. Je n'arrive pas à croire, je n'en ai pas jusqu'à présent. C'est tellement difficile. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Une fois de plus, merci d'être là. Merci pour votre soutien. Merci pour votre déplacement. Merci à tous ceux et celles. Merci pour votre participation. Et j'aimerais en plus de cela vous demander de continuer à prier, à nous soutenir dans vos prières parce que nous passons des moments très difficiles. Très étant donné que nous sommes loin, donc nous n'avons pas pu assister aux obsèques, à rien, vous imaginez un peu la distance. Donc en fait, c'est une double peine.